Et il y a des pays qui ont été ravagés, dans lesquels il a fallu apporter une aide humanitaire. Et donc on s'est trouvé, notamment pour la Dominique, qui se trouve entre la Guadeloupe et la Martinique, dans une situation de destruction de beaucoup d'infrastructures et donc d'un besoin très fort. Et donc les moyens de l'État français, soit directement par les moyens militaires qu'on a dans nos territoires, territoires des Amériques, Guadeloupe, Martinique, voir comment on pouvait déjà aider. Et puis nous avons envoyé une mission, donc consulaire et humanitaire, évaluer les besoins, aider donc à répondre aux différentes questions qui se posaient. Notre ambassade de France à Castries demande, parce qu'ils ont un périmètre assez énorme avec cette île, nous demande de l'aide parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir par rapport à la Dominique où beaucoup de Français étaient en souffrance. Donc notre directeur et directeur adjoint nous dit bon, il faut absolument projeter une équipe pour porter renfort à l'ambassade et aller sur place voir aider les Français en difficulté qui sont dans une impasse. On a pu obtenir des informations un peu confidentielles par la police et notamment les listes des personnes décédées et celles qui avaient disparu. Et, alors qu'elles n'étaient pas encore publiques à ce moment-là, ce qui nous a permis aussi de croiser nos informations et de vérifier rapidement si des Français faisaient partie de cette liste-là, en tout cas ceux qui étaient inscrits sur notre registre. Le nombre de Français sur place, on le savait de par la liste de notre registre qui venait de l'ambassade, mais on ne savait pas qui exactement avait quitté l'île déjà par leurs propres moyens. Donc c'était au cas par cas ce qui arrivait le matin pendant la permanence consulaire. Et il s'est avéré que bon, il n'y avait pas beaucoup de personnes, pourtant on a passé un message radio. This gentleman with some information, good morning, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, donc ce message s'adresse plus particulièrement aux citoyens français actuellement en Dominique. Pour votre information, une permanence consulaire est assurée en continu depuis 10 jours. Et le sera encore jusqu'au jeudi 5 octobre à midi. On recevait des messages, on était sans arrêt connecté avec notre ambassade à Castries qui nous disait voilà, j'ai reçu un message de telle personne. Donc le cas concret du papa très inquiet de son nouvelle de ses deux adolescentes qui envoyait des SMS, des appels sans réponse. Donc voilà, elles habitent avec leur mère à Wooten Waven. Nous on découvre, avec le GPS on arrive, on voit que les routes sont plus ou moins dégagées. On prend sur nous, on dit bon, on y va. On y va, on quitte là. Il y avait quand même des collègues dominicains pour la permanence. On va, on demande plus ou moins les routes parce que plus aucun panneau qui indiquait les routes. On arrive à Wooten Waven devant le village qui était desservi par un pont et le pont est écroulé. Donc on comprend certainement le problème qui a pu se passer que le village soit totalement isolé. On se met en condition, on traverse plus ou moins un chemin un peu ardu, une petite rivière, on grimpe, on arrive en haut du village. On pose des questions, tout le monde se connaît, 350 habitants, et là ils nous disent oui, la famille française est là, et on arrive. On tombe devant la dame avec ses deux adolescentes, et dit voilà, ambassade de France, on avait les gilets. Alors elle nous voit complètement étonnée, dit voilà, c'est le papa de vos deux filles qui demande des nouvelles, il est inquiet, il est en Martinique. Ah oui, non mais tout va bien, on a envoyé des messages, mais on ne savait pas qu'il ne recevait pas. Alors voir arriver l'ambassade de France, ou même le ministère à sa porte, elle était médusée. Et puis bien sûr, on faisait aussi le lien avec les organisations internationales, donc avec les différents responsables. On essayait de coordonner ou de structurer un petit peu l'aide humanitaire, parce que la France, par le mécanisme européen de protection civile, a pu envoyer aussi de l'aide. Et donc on essayait de voir dans quelle mesure on pouvait aider, coordonner l'arrivée de cette aide à la Dominique.